Bonjour les STMG, alors aujourd'hui on est là pour pouvoir traiter du 63 et du 64 les réponses sont déjà mises là parce que ce n'est que de la lecture graphique donc si vous voulez les prendre en photo, avoir toutes les réponses directement, les voilà et on va essayer de suivre rapidement sur le graphique comment j'ai fait pour obtenir toutes ces valeurs là euh, d'abord un petit mot sur les repères semi-logarithmiques et logarithmiques c'est pas des repères qu'on a l'habitude de voir c'est des repères un peu particuliers, hein, vous voyez en ordonnée là les graduations elles ne sont pas écartées de manière, euh, de manière équidistante. On n'a pas la même distance entre le 100 qu'il y a ici et ce, entre cette graduation-là et cette graduation-là. Mais une chose est sûre, en bas, on part de 1. Et à chaque fois qu'on va d'une graduation bleue à une graduation bleue, ici, on multiplie par 10. Voilà ce que c'est qu'un repère semi-logarithmique. Déjà semi, pourquoi Parce qu'il n'y a que l'ordonnée qui fait ça. L'abscisse, c'est pareil. Hein. C'est pareil que les repères orthonormés comme on a l'habitude de voir hein, ou orthogonaux, on a une, un espacement qui est régulier entre chaque graduation, on, a bien entre zéro, on commence bien entre 0 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là par contre le passage de là à là on multiplie par 10. Et alors comment on fait pour pouvoir compter bah, C'est extrêmement simple. Hein. Si on a entre 1 et 10, on ajoute 1 à chaque fois. Qu'on passe d'une graduation à une autre. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Regardez l'ordonnée du point B, hein, ça devrait être 5. Et si je regarde bien à l'intérieur de mon bazar, hein, l'ordonnée du point B, c'est bien 5. Alors attention, je fais A, B, C, D, E, F. Et ici, je fais A, B, C, D, E, F. Hein. Alors méfiez-vous, hein. je ne les ai pas mis dans le même sens. Donc là, l'ordonnée du point B, c'est bien 5. Et l'abscisse du point B, lui, je le lis sur le repère classique, comme on a l'habitude de voir. Hein, 0, 1, 2. Donc là, la lecture n'est pas très difficile pour l'abscisse. Par contre, dans le 63... Pour l'ordonnée, c'est un peu plus difficile. Regardez bien. Hein. L'ordonnée du point B, il est là. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus dur. Prenons un autre point, par exemple. Euh, prenons, par exemple, le point D, euh, qui est ici. Alors, regardons le point A déjà. L'ordonnée du point A, qu'est-ce que c'est Alors, on va passer ici comme ça. L'ordonnée du point A, qu'est-ce que c'est L'ordonnée du point A, ici, c'est 200. Pourquoi Parce que pour passer de 100 à 1000, et eh ben chaque euh, fois que je passe d'une graduation à une autre, j'ajoute euh, 100. Donc de 100 à 200, de 200 à 300, 400, 500, 600. Et allez, là, je m'arrête ici, 600, hein, c'est l'ordonnée de quel point ben, C'est l'ordonnée du point D. Donc si je regarde par exemple le point D ici, hein, j'ai bien un ordonné là qui vaut bien 600. Voilà. Euh, si je regarde par exemple le point F qui est ici, hein, le point F qu'il y a ici, son abscisse, c'est combien ben 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, on lit comme on lit d'habitude. Par contre, son ordonnée, lui, c'est ici. Et là, on lit 20. Pourquoi Parce qu'entre 10 et 100, euh, chaque graduation, on ajoute 10 à chaque fois. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pourquoi on utilise des repères euh, semi-logarithmiques ou logarithmiques Eh bien, ça nous permet de voir des évolutions qu'on ne pourrait pas voir dans les autres repères. Quand ça évolue trop, quand ça évolue trop vite, euh, on ne peut pas voir toute l'évolution euh, sur le même repère. Toutes les petites variations, on ne les verra plus, parce que si on représente ça sur un repère classique, une petite variation par rapport aux grandes variations, on ne les verra pas. Tandis que là, avec le repère semi-logarithmique, ça nous permet de voir ici les points qui ont des petites coordonnées, hein, par exemple B hein, euh, ou E. Hein, et de voir aussi dans le même repère des points qui ont des grandes coordonnées, comme D, qui a comme coordonnée, par exemple, 6600, euh, je crois, 6600. Et on voit dans le même repère le point E, qui a comme coordonnée 72. Voilà. Alors bien sûr, ça écrase les perspectives, ça écrase les évolutions. Donc on peut dire que ça augmente. Donc quand vous voyez dans un repère semi-logarithmique ou logarithmique quelque chose qui augmente, dites-vous que dans la vraie vie, dans la vie réelle, ça augmente encore plus vite. Hein. Donc, donc, généralement, hein, on peut même dire la chose suivante. Alors, je vais vous faire un petit dessin ici. Si vous avez un repère semi-logarithmique et qu'il y a ça qui est dessiné, vous pouvez vous dire que dans la vraie vie, dans un vrai repère, c'est plutôt quelque chose de comme ça. Hein. Ça va de plus en plus. Voilà. Donc, euh, euh, le but du jeu de ces deux exercices c'était simplement d'arriver à, à relire et à, et à lire les coordonnées. Donc, je vous laisse les solutions ici. Voilà. Et pour le 64, regardez bien, hein, le repère logarithmique, il est complet, entre guillemets. Il est aussi pour les abscisses. Donc vous voyez, on a le point D qui est situé ici, là. Et si je zoome un petit peu autour du point D, qu'est-ce que je vois Eh bien, je vois simplement que je suis entre 10 et 100. Donc à chaque fois, je rajoute 10 à chaque fois. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je continue à, com à compter, comme ça je vérifie que je ne me suis pas trompé. Hein. 80, 90 et 100. Donc vous voyez, je ne me suis pas trompé du tout. Hein. Donc je suis à 70. Et donc pour son abscisse. Et si je regarde bien, si je ne me suis pas trompé, D, 70 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, alors moi j'ai lu 2. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et bien oui, regardez bien. Hein. D, son abscisse, son ordonnée, c'est ici. Hein. Et c'est 2, hein. on a commencé à 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et voilà ouais, et on ne se trompe pas. Essayons par exemple un au hasard. Prenons par exemple le C. Là, le C me paraît intéressant, regardez bien. Ici je suis à 10, ici je suis à 100, donc 10, 20, 30, 40 pour le C. Et ici je suis à 10, ici je suis à 100, donc chaque graduation j'ajoute 10, 10, 20. Donc j'ai dit 10, 20, 30, 40, 40, 20. Parce que c'est ce que j'ai écrit. Le C, 40, 20, on est bon. Et pour le D, alors on va prendre celui un difficile, par exemple le F là. Le F il n'est pas facile à lire, hein, il est un petit peu coincé dans les graduations qui sont vraiment très proches. Donc on va lire, là vous voyez, le F j'ai fait exprès, j'ai tiré un petit trait et je tombe ici, là, sur cette graduation là. Donc si je zoome un peu, lisons 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Donc là mon F il est à 800 d'abscisse. Donc, je vérifie que j'ai bien mis 800 d'abscisse, mon F800 d'abscisse. Normalement, je devrais obtenir 80 en ordonnée. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur les ordonnées qui sont là, vous voyez. Et je suis à deux graduations en dessous de 100. Donc, 100, 90, 80. On peut compter dans l'autre sens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. On est bien à 80 euh, d'ordonnées. Hein? Grosse particularité, le repère ne commence pas à 0, 0, il commence à 1, 1. Alors, on pourrait se poser la question comment on fait pour. Euh, Prendre Les nombres par exemple qui sont à 0,5, et eh bah ben, il faudrait qu'on commence le repère pas à 1 mais à 0,1, et à chaque fois on multiplie par 10, donc on aurait une graduation à 0,1, une graduation bleue à 1, une graduation bleue à 10, etc. 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 Et donc là vous voyez, on peut arriver à repérer dans le même graphique des points comme le point B, des points comme le point B qui ont des toutes petites coordonnées 3,5 et des points F qui ont des coordonnées énormes 800. Et 80. Si on avait à le faire dans un repère orthonomique classique, eh ben on serait obligé de prendre soit un très grand repère, soit on ne verrait pas, on ne verrait pas le 3 et le 5, hein. il serait vraiment euh, très très proche de l'axe des abscisses et on ne pourrait pas vraiment le distinguer des autres. Voilà à quoi sert ces repères semi-logarithmiques, et je vous laisse, le logarithmique et semi-logarithmique, et je vous laisse là, la réponse aux 63 et 64. Voilà.